1921, la paroisse Sainte-Marguerite. Donc, il y a plus de gens qui viennent habiter ici. Ils ont besoin, j'imagine, d'un curé, ils ont besoin d'une paroisse. Comment ça se développe? Mais après ça, ils ont des enfants, ces travailleurs-là. Où est-ce qu'ils vont à l'école? D'ailleurs, ce sont des revendications de très longue date des gens qui habitent dans ce quartier, dans l'est de la ville, disons. C'est-à-dire que tous les services sont concentrés dans la partie ouest de la ville. Alors, évidemment, on revendique assez tôt des écoles. Et ça, dès la fin du 19e siècle, il y a des demandes en ce sens-là qui sont adressées. Bon, il n'y a peut-être pas encore la masse critique qu'on obtienne des écoles, mais au 20e siècle, la population ouvrière augmente considérablement. On l'a dit tout à l'heure, essentiellement des francophones, des catholiques. Donc, ils veulent avoir des services qui sont adaptés à leurs besoins. C'est une bataille qui est assez longue. Un point tournant, 1921, création d'une paroisse. Il faut se souvenir qu'à l'époque, ce n'est pas un événement banal d'avoir sa paroisse qui représente les gens de son quartier. C'était particulier. Alors, 1921, Sainte-Marguerite-Marie se détache de la paroisse mère Saint-Patrice. Autre moment mémorable, je pense, les habitants du quartier, la construction d'écoles primaires. Donc, dans un premier temps, le couvent Sainte-Marguerite. Ici, sur Saint-David, c'était la rue du Savoir, ici, dans le quartier. Alors, 1928. Et puis, évidemment, les garçons et les filles fréquentaient la même école, mais sans se côtoyer, parce qu'il y avait des murs au milieu de l'école pour s'assurer que les petits garçons sont d'un côté et les petites filles sont de l'autre. Une école mixte! Absolument, mais où on s'assure qu'il n'y a pas trop, on ne se mêle pas plus qu'il le faut. Et puis, en 1938, on va régler tout ça avec la création du collège, qui va être de l'autre côté de la rue, et qui, désormais, on aura une école pour les garçons et une école pour les filles. Un grand moment pour une paroisse, il faut se souvenir ce que ça signifie pour les gens. Et c'est d'ailleurs une bataille là, très âpre qu'ont livré les gens de Sainte-Marguerite-Marie pour avoir des écoles. Donc, on a vraiment un quartier qui s'est développé au fur et à mesure des besoins. On a eu des commerces, des épiceries, on a une paroisse, une église, on a des écoles. On a un cinéma. On a chez Eddie. Absolument. Tu parlais de chez Eddie tout à l'heure. Ça va venir plus tardivement dans l'histoire de la paroisse, mais c'est un petit peu un point de rassemblement parce que c'est situé directement devant la sortie des usines de textiles. Alors, chez Eddie, c'était quoi? C'était un petit comptoir lunch. On servait des déjeuners, on servait des repas, mais il y avait également des tables de billard. Il y avait également ce qu'on appelait à l'époque des machines à boules. Et c'était un petit peu un point de rassemblement du quartier. Ça a duré probablement jusqu'à la fin des années 90, début du 21e siècle. Et écoutez, tous les gens qui ont habité ici se souviennent de ces endroits-là, parce que tout le monde se souvient, lorsqu'il était jeune, d'y avoir mis les pieds au moins une fois. Et ça fait drôle aujourd'hui, quand on passe devant, qu'on voit que ce n'est même plus un commerce, de constater à quel point le temps a changé. Et on ne peut même pas réaliser, quand on passe devant, à quel point les gens passaient là. D'ailleurs, devant la barrière principale, il faut se remettre dans le contexte. 6h30 le matin, 6h20, 6h30 le matin, quand on commence à s'activer autour des usines pour une journée d'ouvrage, le poumon de Magog, le cœur de Magog, où est-ce qu'il bat? C'est ici qu'il bat, là, carrément. Là. La rue principale, c'est encore notre rue commerciale par excellence. Mais là, il y a peut-être sur les 2 500 employés de l'usine, sur le premier quart de travail du matin, il y en a peut-être un millier, peut-être 1 200 qui s'en viennent travailler. Alors, ça faisait une congestion, un va-et-vient. Les automobiles commencent à se mêler à ça à un moment donné. Il faut prévoir du stationnement. Bref, être à 6h30 devant les usines de la Demiane Textile, n'importe quel jour de la semaine, c'est être au cœur de la vie magogoise, là, à son meilleur, si on veut. Quartier qu'on appelait le bas de la ville et qu'on appelle maintenant le quartier des tisserands, en l'honneur à tous ces travailleurs qui ont travaillé à la filature de coton difficilement, qui ont passé à travers des grèves. Ce quartier est maintenant plus résidentiel. Oui, absolument. C'est-à-dire qu'il y avait à la fois une vocation commerciale et une vocation résidentielle aussi. On remarquera
qu'une des caractéristiques, notamment, c'est qu'il y a très peu de maisons unifamiliales. C'est un concept qui n'existait à peu près pas à cette époque-là. Pour plusieurs familles, notamment qui arrivaient d'un milieu rural et qui venaient s'établir à la ville, leur patrimoine, à toute fin pratique, c'était leur maison. Et on faisait des maisons avec une possibilité de revenu, donc on avait des logements. Souvent, c'était des gens de la même famille qui habitaient dans les logements, mais aussi, c'était une possibilité de revenu pour les familles d'avoir des locataires. Alors, vous remarquerez qu'on part de Principal, on va à Saint-Patrice et on continue un petit peu dans ce secteur-là. Il n'y a presque pas de maison unifamiliale. Par contre, quand on va commencer à développer au nord de Brassard et qu'il va y avoir la paroisse Saint-Jean-Bosco, là, on commence à voir l'identité du quartier qui change un petit peu. De Charles Bourget, historien de l'architecture. Charles, c'est vraiment important, le patrimoine industriel? Bien, c'est sûr que ça a son importance, mais c'est une importance qui lui a été accordée récemment. En fait, on s'entend que la notion de patrimoine est née pour des réalités plus anciennes en général, et l'Europe a un patrimoine très, très ancien, l'Europe, l'Asie. Et ici, on a, en somme toute, un patrimoine souvent un peu moins vieux, ce qui fait qu'on a dû développer des nouveaux intérêts qui étaient peut-être moins présents ailleurs dans le reste de l'Occident. Et les pays les plus récents, comme les États-Unis, le Canada, l'Australie, par exemple, ont des patrimoines qui leur sont propres et des réalités qui leur sont propres. Dans ces pays-là, évidemment, on s'est intéressé à des réalités plus récentes. On n'a pas d'édifices médiévaux, on a très peu de choses qui nous sont héritées du 17e, 18e siècle, bien qu'on en ait un petit peu. Mais notre histoire patrimoniale commence beaucoup au 19e siècle. On s'entend que l'ère industrielle a marqué les 19e siècle et les débuts du 20e siècle d'une façon assez importante. Ce qui fait que tout notre paysage architectural a été vraiment marqué par l'industrialisation ici. Et d'emblée, on a pu être industrialisé lorsqu'on a développé les cantons de l'Est, par exemple. Tout le développement des cantons de l'Est est associé à l'industrie. Ce qui fait qu'on a, on s'est intéressé à ce patrimoine-là, peut-être de façon plus précoce que dans le reste de l'Occident. Mais c'est maintenant une tendance générale que de s'intéresser à cette réalité-là. On le disait tout à l'heure, les cantons de l'Est ont été une grande partie développés par l'industrie, puisque c'est une colonisation très récente, hein, à partir du début du 19e siècle, qui correspond tout à fait avec le début de l'industrialisation. Donc, ces villes qui se sont industrialisées, comme Magog avec le textile, évidemment, c'est développé un patrimoine industriel conséquent de cette réalité économique. Ici, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dans le quartier qu'on appelle maintenant le quartier des Tisserands? Pourquoi c'est si intéressant au niveau patrimonial? Bien, en fait, c'est qu'il y a peu de quartiers industriels conservés. On en a. Il y a des villes entièrement industrielles, hein, qui ont été conçues par les usines elles-mêmes pour loger les ouvriers. On en a de ça à Capleton, d'ailleurs. À côté de la mine de Capleton, il y a un petit village qui était géré par la direction de la mine et qui logeait des ouvriers là. Donc ici à Magog, l'usine ferme, mais on reste encore avec le quartier. Bien, c'est qu'en fait, c'est pas été le quartier qui a été développé par l'usine. Le quartier s'est développé, en fait, ce sont les ouvriers qui se sont installés à proximité de l'usine. Et ce sont des privés qui avaient des terrains ici qui ont fait un parcellaire qui était adapté à cette réalité-là, en fait, pour satisfaire les gens qui voulaient y habiter. Mais en fait, c'est ce qui est intéressant de ce quartier-là, c'est que c'est son homogénéité, parce qu'il a été construit vraiment à la fin du 19e, début 20e siècle, au moment où l'usine était à son plein rendement. Et il présente donc une espèce d'instantané de l'architecture associée au milieu industriel, l'architecture résidentielle associée au milieu industriel de ce moment de l'histoire du Québec. C'est un exemple type. Le quartier est homogène au niveau des constructions en raison de l'âge à laquelle les maisons étaient construites. Oui. J'ai entendu un mot « vernaculaire ». Qu'est-ce que c'est exactement? Quand on parle de vernaculaire, ce n'est pas une architecture d'architectes qui ont défini des normes de façon théorique. Ces normes et cette cohérence-là s'est développée par l'usage, par les habitudes, et ça a fini par donner une espèce de réalité qui avait une cohérence et une logique propre.
Ce qui fait que, et cette cohérence-là va se situer dans des niveaux bien précis, les proportions générales, les types de fenestration, où on va placer les ouvertures, les portes, est-ce qu'il y a une symétrie. Ensuite de ça, tous les éléments de décoration, ce qu'on va parler des moulurations autour des fenêtres, les types de balcons, les types de toitures, tout ça a sa logique et a été développé avec une expertise sur le long terme. C'est pour ça que quand on parle de sauvegarde de ce patrimoine-là, c'est qu'on essaie de conserver la logique de ces systèmes-là qui ont été développés par les gens de métier de l'époque. Et là, c'est là qu'est tout l'enjeu d'un quartier comme ici, où souvent les gens vont faire des rénovations, mais ne comprennent pas la logique initiale du système de la maison dans laquelle ils habitent. Ah, je comprends. Et là, à partir de ce moment-là, il y a toutes sortes de délucubrations, ce qui fait que souvent on arrive avec des produits qui vont dénaturer la réalité du bâtiment initial et le rendre beaucoup moins intéressant. Parce qu'en fait, on fait des interventions qui viennent détruire la logique et la cohérence d'un système. Donc, parfois, on pense améliorer notre maison, mais dans le fond, on vient presque de la tuer, je dirais. Bien, la tuer, pas nécessairement, parce que souvent, on va mettre des revêtements qui viennent dénaturer l'essence de la maison, mais en même temps, ce revêtement-là est placé sur l'ancien revêtement et le protège. Fait que si jamais on veut y revenir, on pourra faire la désintervention et retrouver la nature initiale de l'édifice. C'est sûr que dans le quartier des Tisserands, la majorité des maisons ont été transformées, ont été adaptées, mais la cohérence globale des types de maisons reste présente. On le voit très bien, on les identifie, on va en regarder plusieurs types. Vous allez voir, il y en a une pléthore. Mais en même temps, certains sont mieux conservés, comme celle qu'on voit en arrière de nous. Elle a conservé son allure ancienne de façon un peu plus intégrale et plus authentique. Charles, ça, c'est une maison que j'aime beaucoup. Qu'est-ce qu'il y a de spécial? Pourquoi elle m'attire, cette maison? Bien, je pense que c'est la maison typique de la colonisation québécoise. On la retrouve dans toutes les campagnes québécoises. On sait qu'on a ouvert les Laurentides au début du siècle, l'Abitibi, et que les colons qui défrichaient les terres se construisaient des maisons simples. Souvent, c'est des petites maisons avec un pignon dont le pignon tombait, le mur goutreau qu'on appelle, là où il y a la gouttière, et tombe sur la façade. Et c'est vraiment un exemple de ces maisons-là qu'on voit partout. Je pense que ça inspire la simplicité et, en fait, la vie agréable et sans grand flafla, là, peut-être. Sans qu'on se casse la tête. Peut-être ça, je ne sais pas. Sans qu'on se casse la tête, mais pourtant, il y a des décorations qui, il me semble, ajoutent quelque chose. Elles sont bien? Bien, c'est une jolie maison. On voit, en tout cas, elle est bien conservée, celle-ci, parce qu'elle a tout son revêtement de bois. Mais on se rend compte que, dans le vocabulaire vernaculaire, ça ne prend pas grand-chose pour donner la petite touche de finition. Et c'est ces petites touches-là qu'il ne faut pas enlever, parce que c'est quand on les enlève que la maison perd tout son caractère. Il y a des choses vraiment simples. On regarde, chaque fenêtre est entourée d'un cadrage de bois qui permet de le peindre d'une autre couleur. Donc, ça rend la chose beaucoup plus sympathique. On a des fenêtres à quatre carreaux qui sont à peu près les plus répandues au Québec à ce moment-là. Ce sont des fenêtres doubles qui ont été développées depuis le 18e siècle. Et ce sont des formats qui sont tout à fait agréables. C'est souvent des fenêtres à guillotine qui permettent de les ouvrir assez grand l'été et qui sont assez fonctionnelles l'hiver, surtout quand elles sont bien entretenues. Puis il y a des choses aussi simples que les planches cornières qu'on place aux la angles. La planche cornière, c'est celle qui est... Oui, qui va venir marquer le coin, là, oui. En fait, qui vient justement... Parce que sinon, on aurait toutes nos planches de revêtement qui viendraient se rejoindre et on aurait un joint qui serait pas beau. En fait, c'est tout simplement pour cacher le joint. Et quand on met des nouveaux revêtements, on va réduire la dimension de cette moulure-là. Ce qui n'est pas correct, je pense. Bien, en fait, on perd le système logique de proportion de ces édifices-là. Ça ne prend pas grand-chose. Ça prend juste une planche qui va avoir quelques centimètres, 15 centimètres peut-être de large, pour donner l'espèce de finition. C'est comme un tableau. Si on n'a pas de cadre autour du tableau, il manque quelque chose. Bien, ça dépend quelle sorte de tableau. On s'entend qu'à certaines périodes, on n'en a pas voulu. Mais traditionnellement, quand on pense aux tableaux de cette époque-là, c'était des tableaux qui étaient encadrés. C'était comme la continuité logique de l'affaire. Bien, ici, si on a des planches de mouluration autour des fenêtres et des planches cornières, on vient de compléter l'espèce de composition
qui est la logique de ce système, qui demande ça. Et naturellement, on voit la différence. Quand les maisons n'en ont pas, on remarque, on va dire, elle est fade, il y a quelque chose qui manque. Puis pourtant, c'est des détails d'une simplicité désarmante. Mais j'aime aussi cette maison à cause des couleurs. Est-ce que c'est correct d'aimer pour les couleurs? Bien sûr. Bien, tout système architectural a sa logique, comme je vous le disais, et la couleur en fait partie. Hein. Donc, c'est sûr qu'il y a eu beaucoup de blanc, historiquement parlant, dans l'architecture traditionnelle, mais aussi toutes ces couleurs un peu crème ont toujours été présentes. Le vert est peut-être moins authentique de ce qu'on a retrouvé, mais ça existe au début du siècle, des verts de toutes sortes de tonalités. Mais cette espèce de couleur crème-là, on la voit partout hein, dans l'architecture traditionnelle. Il y a les sangs de bœuf, il y a les chaulages et il y a ces crèmes-là qui sont à peu près omniprésents. Charles, tout à l'heure, on a parlé de déclin de bois, d'entretien. Là, on est devant une maison. En tout cas, je ne m'y connais pas beaucoup, mais il me semble que ce n'est pas en bois. Non, celle-là, effectivement, c'est une maison. Mais on a aussi parlé d'autre chose. On a parlé d'adéquation avec l'époque. Oui. Et la période. Et on a parlé qu'on était évidemment dans un univers industriel naissant. Et évidemment, avec l'industrialisation, naissent aussi l'industrialisation des matériaux. Et tout un courant de matériaux de plus en plus industriels va apparaître au courant du 20e siècle, on a de toutes sortes. Et l'aboutissement est évidemment le vinyle qu'on connaît aujourd'hui. Mais on a eu d'autres choses. Vous avez peut-être déjà vu dans les campagnes des bardeaux d'asphalte qu'on utilise pour les toitures, mais il y en a sous forme de losanges ou en amiante. Oui, des bardeaux d'amiante. D'amiante ou d'asphalte, oui. Que l'on va placer. D'ailleurs, on en a un garage en bardeaux d'asphalte ici à côté, mais qu'on va placer sur les murs comme revêtement, ça existe. Mais avant ces matériaux des années 40-50, on a eu des expérimentations comme ça. On voulait imiter la pierre de taille avec des formes plus... régulières. Puis moins coûteuses, oui, c'est ça, avec des formes régulières. Et on a fait des moulages de ciment. Et on a fait des revêtements en ciment, comme ça. C'est un revêtement en ciment. Et puis, ce style de maison-là, je vois que les angles sont très droits. On dirait un cube. Bien, effectivement. Ça imite, c'est, bien, en fait, dans l'architecture vernaculaire, on a de toutes sortes de variétés, évidemment, mais on a une tendance à la simplification. Et on s'entend que le cube est à peu près la forme la plus simple au niveau architectural, ce qui fait que, bien sûr, ça se retrouve en architecture vernaculaire. Les maisons cubiques, il y en a partout. Mais vous remarquez aussi, dans ce vocabulaire-là, vous avez moins d'entourage autour des fenêtres. Oui, les maisons de pierre sont comme ça, traditionnellement. Donc, ça transpose ces choses-là dans l'univers vernaculaire, là, cette réalité-là. Donc, c'est une autre cohérence, mais qui a sa logique propre. Qui a sa logique aussi. Oui, oui, tout à fait. D'accord. De voir des matériaux industrialisés, mais ici, je remarque que c'est... On dirait que c'est travaillé à la main. C'est tellement beau. C'est comme sur un gâteau, finalement. Bien, ça, en fait, c'est comme des petits trésors du savoir-faire traditionnel, hein, où on a développé des techniques d'application du bardeau. Au Québec, on en a beaucoup d'exemples un peu partout. Dans toutes les régions, il y a ça, hein, des maisons où des gens se sont amusés à faire des motifs assez exubérants. Puis on remarque toujours ces maisons-là. En fait, celle-ci a conservé ça pour son solarium et le solarium de la partie supérieure aussi, là. Donc, c'est vraiment la partie la mieux conservée de cette maison-là. Mais on voit que, justement, le travail qui avait été fait traditionnellement a plu aux propriétaires. On avait le temps de rendre les choses belles, finalement. On prenait aussi, le temps. Oui, on prenait le temps. Bien, en fait, il y en a encore aujourd'hui des gens qui aiment ce genre d'intervention sur leur maison. Mais c'est pas tout le monde qui fait ça. Hein. Ça prend un savoir-faire un peu plus développé. Cette maison-là que je vois, là, elle me fait penser à un bungalow. Est-ce que j'ai raison? Bien, en fait, c'est un peu un ancêtre des bungalows parce que c'est un bungalow avant l'heure. Le bungalow étant une réalisation des années 50 qui est venue avec la banlieue et tout ce qui suit, et la voiture, etc. Mais ça, c'est une maison qui est un peu de style cottage avec son toit à quatre versants.
qui, en fait, reprend un peu la caractéristique de la maison précédente au niveau du revêtement, mais qui la pousse un peu plus loin. C'est une maison qui est assez jolie. Elle a son petit vestibule vitré qui permet justement de faire un tambour, une espèce de sas pour l'hiver quand on arrive et pas entrer le froid de la maison directement à l'intérieur. Et on voit que les propriétaires, dans leur revêtement de ciment, ont fait un jeu de couleurs pour créer des effets d'architecture de pierre encore plus authentiques. Et ce qu'on appelle des chaînages, en fait, vous voyez, dans l'angle de la maison, ils ont mis des pierres qui sont plus pâles, qui sont comme en quinconce, oui, je vois bien. Qui sont placées là et qui étaient traditionnellement présents dans l'architecture de pierre. On faisait, au lieu d'avoir des planches cornières, on faisait des chaînages de pierre aux angles. Devant cette maison-ci, elle est aussi intéressante. Les plans sont plus larges que celles en déclin qu'on a vues au début. Mais celle-là est particulièrement intéressante parce qu'elle est intégralement conservée. Il n'y a eu pratiquement aucune intervention, sauf au niveau des escaliers, probablement, et quelques portes qui ont été changées. Donc, on a toute l'atmosphère. C'est comme une espèce d'instantané de l'atmosphère du quartier quand on se cadre bien. Là, j'imagine que la caméra est exactement en ligne pour ça. On voit les garages à l'arrière. Et on a l'église qui était le cœur du quartier, qui est tout de suite derrière aussi. Donc, c'est comme une espèce d'instantané de ce que pouvait avoir l'air ce quartier-là, avec tout son charme et son authenticité d'origine. Donc, ça nous donne vraiment une très bonne idée. Et encore une fois, on voit la simplicité et le peu de détails qu'on a besoin pour rendre ça intéressant. Pour rendre ça intéressant, par exemple, un détail, tu peux m'en parler? Tout simplement, la couleur noir et blanc, c'est quand même une espèce de contraste qu'on a utilisé beaucoup, beaucoup au Québec à certains moments. Et ça se voit partout dans les campagnes. Donc, c'est vraiment particulier. On l'a conservé ici. Donc, ça nous donne vraiment dans sa plus grande simplicité la construction telle qu'elle était. Il faut l'imaginer aussi habitée avec du monde qui sont dehors. Il faut l'imaginer avec des fleurs aussi à certains moments parce que les gens étaient fiers, ils mettaient des éléments pour le décorer. Donc, que dire de plus que bravo d'avoir encore ces exemples-là assez intégralement conservés. Et on voit que il manque pas grand-chose là, pour la rendre parfaite, là, gratter un peu la peinture écaillée, y faire un bon sablage et on va avoir un résultat. Qui va être vraiment phénoménal, qu'on va être vraiment content. Bien, effectivement, il y a quelques éléments. On voit une petite rampe qui a été installée là, qui pourrait être changée, mais c'est vraiment accessoire. Là. Okay. On a un très bel exemple de cette maison vernaculaire. Un peu d'influence américaine ici. Là, avec c'est une maison cubique, encore une fois. Là. C'est très simple. Là. On ne peut pas dire qu'on a... cubique, mais avec pignon sur un toit, rue. Oui, toit à pignon. Oui. Mais on peut avoir plusieurs modèles. On a un cubique à toit plat et on en a avec des pignons. En fait, celle-ci a des pignons. Souvent, le pignon est très apprécié, le toit plat. On l'a aimé, mais on a hésité au début à le faire à cause de la neige. À cause de la neige, oui. Bien sûr. Mais après, on a développé des techniques et on en est venu à réussir à faire ça de façon assez efficace. Donc ici, on a un exemple quand même de maison. D'ailleurs, tout le noyau autour de l'église est assez intéressant, et celle-ci particulièrement. On voit une maison qui a conservé son matériau d'origine avec sa planche, son déclin de planche de bois, qui donne... On le voit tout de suite au premier coup d'œil, hein, qu'on a une maison qui a conservé un matériau d'origine. On voit aussi les entourages de fenêtres qui ont gardé leur structure ancienne avec des moulurations sur le dessus, sur l'entablement et de chaque côté. Ça reste sobre, hein, parce que dans le vernaculaire, on n'a jamais de fioritures épouvantables. Quand on pense à l'architecture victorienne, où il y a souvent des moulurations à n'en plus finir et toutes sortes de petits détails à profusion dans les maisons bourgeoises souvent développées. Quand on parle d'architecture industrielle et vernaculaire, on va rester dans des choses simples. Mais simple ne veut pas dire absence d'éléments décoratifs. Et on voit qu'il y en a un peu partout. Hein, et il y a un souci de proportion générale dans cet édifice-là, puisque si on regarde, par exemple, les colonnes de la galerie,
galeries sont d'une dimension beaucoup plus grande que celle qu'on retrouve dans les magasins de construction aujourd'hui. Oui, ce qui fait que si on refaisait cette galerie-là et qu'on remettait des barreaux de galerie un peu graciles, on aurait à ce moment-là, on dénaturerait un peu la forme de ça parce que, en fait, la galerie est très massive et elle va bien avec le côté très massif de cette maison-là. Ça crée un équilibre, donc. La même chose pour les entourages des fenêtres, la position des ouvertures, les types de barreaux qu'on a utilisés. C'est toujours très sobre à cette époque-là. On est au début d'une modernité, donc on est moins dans la fioriture que dans les périodes précédentes. Mais on a encore quelques éléments au niveau de la corniche, là, ici. Alors, on voit que vraiment tous les éléments traditionnels sont conservés. Et je vois aussi sous le toit, oui. Comment on appelle la décoration qui est là en dessous, qui a l'air à soutenir le toit. On dirait que ça soutient. Bien, en fait, ce sont des angles, tout simplement, là, de décoratifs. Ça vient de l'architecture classique ancienne. Il y avait ça dès les temples grecs. On a toujours fait ça. Ici, on a un rappel un peu des anciens temples grecs hein, qui étaient triangulaires devant le temple. On appelle ça un fronton. Et on a repris beaucoup ça et on a conservé une partie du vocabulaire que l'on a adapté au cours des années. Alors, dans l'architecture vernaculaire, on a toutes sortes de variétés qui ne sont pas nécessairement directement inspirées des styles. Ici, en fait, on a des motifs moulurés qui sont faits selon des modèles qui devaient être disponibles à l'époque. Parce que ça l'ajoute à la beauté de la maison. Bien sûr. Il y a des maisons vernaculaires qui ont plus de détails que d'autres, mais c'est sûr que ça ne va jamais dans l'excessif exubérant. Là. Quelques styles un peu le victorien qu'on a vu conserver, qui avaient, même au niveau vernaculaire, conservé plus de détails. Il n'y en a pas dans le quartier ici, ou très, très peu, là. Mais en général, ça reste d'une simplicité assez grande. Peux-tu nous expliquer ce qui a amené la bibliothèque Memphrey-Magog à rassembler tous les ouvrages sur le patrimoine bâti dans un secteur spécifique de la bibliothèque? OK. Les livres de la collection patrimoine bâti utilisent la même classification que la bibliothèque, mais de façon à ce qu'ils soient plus faciles d'utilisation, on l'a regroupé à un même endroit. Je remarque qu'il y a des icônes sur la tranche des livres. Il y a trois icônes. L'icône principale, c'est une petite maison pour indiquer que ce livre fait partie de la collection du patrimoine bâti. Quand il y a une fleur de lys, c'est pour indiquer que c'est un livre québécois. Et lorsqu'il y a une pastille verte comme celui-ci, c'est pour indiquer que c'est un livre en langue anglaise. Les livres sont vraiment magnifiques. Ils sont vraiment très beaux. Qu'est-ce qu'on retrouve dans la collection? On retrouve des ouvrages généraux sur le patrimoine bâti et sur l'architecture domestique des anciennes maisons dans la région des cantons de l'Est, mais aussi à l'extérieur, dans la région de Québec, mais également des livres sur la Nouvelle-Angleterre. Je vois qu'il y a des beaux livres, mais il y a aussi des petites brochures. Est-ce qu'elles peuvent être utiles pour les propriétaires de maisons? Oui. Plusieurs municipalités comme la Ville de Québec et la Ville de Victoriaville ont fait des brochures par thème sur les portes et les fenêtres, sur la toiture, sur l'ornement, sur le revêtement extérieur. Donc, plusieurs brochures qui montrent les styles de chaque maison. Donc, à partir de ces brochures-là, on peut avoir une meilleure idée pour la rénovation ou la conservation des maisons. Est-ce qu'il y a seulement des livres qui sont disponibles pour nous aider lorsqu'on fait des travaux sur nos maisons? Nous n'avons pas seulement des livres, nous avons aussi des audio-guides. Des audio-guides? Oui. C'est intéressant. Qu'est-ce que c'est un audio-guide? Un audio-guide, c'est un parcours. On a trois parcours dans la ville de Magog qui montrent l'architecture dans chaque région, dont un sur
le quartier des Tisserands. Et qu'est-ce que ça ressemble, un audio-guide? Un audio-guide, c'est ça. Oh, un peu comme une radio. Oui, c'est comme un musée, mais c'est un parcours qui indique sur chaque site, il y aurait une information particulière. Comment je fais pour me diriger? Qu'est-ce qui me dit où aller? Il y a une carte avec l'audio guide là, qui indique la section des sites à visiter. C'est très intéressant, ces audio guides. Est-ce qu'on peut les emprunter? On peut les emprunter, c'est gratuit. Gratuitement? Oui, à la bibliothèque Manfred Magog et également au Centre d'art visuel de Magog. Des magazines de la bibliothèque. Qu'est-ce qu'on y retrouve? On y retrouve plus d'une centaine de titres sur tous les sujets. On est ici pour le patrimoine bâti. Est-ce que je peux trouver... Oui, j'ai en main deux périodiques sur le patrimoine bâti, périodique québécois, Continuité et La Lucarne. La Lucarne, c'est un périodique fait par l'Association des amis de propriétaires qui donne des trucs et astuces pour la rénovation de maisons anciennes. Mais Continuité? Continuité, c'est un magazine sur le patrimoine général au Québec. Avant qu'on se quitte, comment fait-on pour trouver les documents en patrimoine bâti? Alors, toute notre collection est disponible sur notre catalogue de la bibliothèque. Vous n'avez qu'à cliquer « Commencer la recherche » pour accéder au catalogue. Et vous vous souvenez notre maison sur le lit? Oui. Alors, dans les suggestions, il y a une petite maison patrimoine bâti, où se trouve la liste de tous nos ouvrages sur le patrimoine bâti qu'on a à la bibliothèque. Vous n'avez qu'à cliquer sur l'icône ou l'information en dessous et vous avez la liste de tous nos documents, nos 140 documents qui sont disponibles dans notre section sur le patrimoine bâti. Les richesses du quartier des Tisserands sautent aux yeux pour quiconque s'y attarde. Pour favoriser une meilleure qualité de vie du milieu, et protéger le quartier pour les générations à venir dans une perspective de développement durable, la Ville de Magog propose des outils pour aider les propriétaires à mettre en valeur leur patrimoine selon le type et le potentiel de leur maison. De concert avec le ministère de la Culture et des Communications du Québec, la Ville de Magog a produit une brochure pour accompagner les propriétaires du quartier des Tisserands qui ont des projets d'entretien, de réparation et d'agrandissement de leur maison. La brochure propose des conseils, des trucs et des astuces pour conserver le caractère patrimonial de sa maison lors de travaux. Si vous êtes un propriétaire de maison construite avant 1950 dans le quartier des Tisserands, présentez-vous à la bibliothèque Manfred Magog ou au bureau du service des loisirs et de la culture pour obtenir votre copie gratuite du guide. Si vous êtes un propriétaire de maison construite avant 1950 sur le territoire de Magog, vous pouvez consulter la brochure à la bibliothèque et sur le site Internet de la Ville de Magog. Vous y trouverez aussi des renseignements pertinents, puisque votre maison fait peut-être partie des 9 types architecturaux qui y sont décrits.
Télé-Cogeco, un service exclusif aux clients de Cogeco.